Ce qu'on pourrait appeler des leaders de chantier qui se présentent sur différents chantiers. Vous savez que les travailleurs de la construction peuvent, de leur plein gré, continuer à travailler sur les chantiers. Et ce que vous voyez, c'est un entrepreneur qui a été intimidé, vilipendé par une bonne douzaine de travailleurs, de manifestants qui étaient sur place. Son véhicule a été endommagé, ses lumières ont été endommagées, ses pneus crevés. Il a dû être escorté par des policiers. Joe Clay est avec nous. C'est son nom de blogueur de la construction. Il est également menuisier. Bonjour, Joe Clay. Bonjour, mademoiselle, ça va bien? Ça va très bien. Et vous, on vous appelle Joe Clay. Votre vrai nom, est-ce qu'on peut l'avoir ou c'est vraiment de cette façon qu'on... Joe Clay, c'est la personne publique de construction. Il y a beaucoup de gens qui font référence avec moi pour m'envoyer leurs vidéos, pour m'expliquer leurs problèmes qu'ils vivent. Et moi, bien, qu'est-ce que je fais, c'est que je publie leurs problèmes et la situation sur Facebook. Bon, alors qui vous a envoyé cette vidéo? Ça, c'est une personne... qui travaille dans la construction. Cette personne-là qui est sur la vidéo, là, c'est un livreur. Il ne travaille pas dans la construction. Lui, il livre sur les chantiers. Puis, il vient inspecter les contrats, voir si tout se comporte bien. Il y avait deux travailleurs sur le chantier que lui allait les avertir pour qu'ils sortent du chantier. Puis, les trois syndicats, ils ont des éclaireurs. Les éclaireurs, eux autres, font le tour des chantiers, puis quand ils voient des gars sur les chantiers, ils appellent du renfort, puis le renfort vient apparaître. Quand que René, qui s'appelle René, quand il est arrivé pour sortir du chantier, il est arrivé, avec, il y avait à peu près 100 gars en dehors du chantier avec un escorte policière. Ça paraît là qu'il y avait deux gars avec deux pipoules qui avaient avec leur laisse, puis le gars a eu la peur de sa vie. Il faut comprendre que ça, c'est le Bernard MNG, c'est une des plus grosses compagnies de systèmes intérieurs au Québec. Puis ce gars-là qui a vécu cette intimidation-là de masse, c'est inacceptable. Il faut comprendre qu'on a le droit de travailler la construction et on a le droit de faire la grève. Quand c'est rendu qu'on fait des regroupements de gars pour aller intimider des gars sur les chantiers qui veulent travailler, il faut comprendre une chose. Les gars qui travaillent sur les chantiers, ils savent qu'on est en grève. Pourquoi ils vont se faire mobiliser par d'autres travailleurs? Et que fait l'Alliance syndicale ou que font les différents syndicats pour contrer cette intimidation? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Eux autres, ils se dissocient de ça, mais il faut comprendre une chose. Ils ont déjà, eux autres, des lieux de rassemblement. Ces gens-là ont des lieux de rassemblement. Puis qu'est-ce qui se passe le matin même de ces jours-là? Les autres qui partent en patrouille volante, qui appellent ça, il y a des éclaireurs qui partent, après ça marche à plus de 50 puis à plus de 100 gars, là. Bien, Joe Clay, on va regarder ensemble les différentes publications sur Facebook parce que il semblerait que ces leaders de chantier se nourrissent entre eux. On va regarder quelques-unes des conversations. On est 50 gars, on veut des places, on sort des gars, des jobs. Demain, j'ai d'autres chantiers à vider à Montréal. Après avoir fait Montréal, je suis partant pour vider la Norette. C'est ce qu'on peut lire. Et un autre répond, shoot les adresses, on va passer. Il y en a combien comme ça qui veulent aller vider les différents chantiers à travers le Québec, selon vous? Moi, je vais vous expliquer, mademoiselle. Moi, ça fait un mois que je vis du harcèlement et de l'intimidation sur le web à propos d'une page de pro-syndicat fermée. Il y a des poursuites criminelles d'entamer envers cette page-là. Moi, la grève a commencé, moi, ça fait déjà 3 semaines. Ces gens-là me harcèlent, m'intimident à cause que je suis pour la liberté d'être syndiqué, je suis pour la liberté d'avoir le choix de travailler ou non. Ça veut dire, je suis déjà beaucoup d'harcèlement de la même part. C'est un groupe de pro-syndicats qui se prennent entre eux autres, puis ça n'en vient pas au vrai. Est-ce que vous continuez de travailler, Joe Clay? Non, moi, je ne travaille pas. Vous continuez? Vous avez décidé de ne pas travailler malgré la grève? J'appuie les gens qui veulent faire la grève, puis j'appuie les gens qui veulent travailler. Il faut comprendre qu'on a le droit à notre liberté au Québec. Ça fait partie de notre charte des droits et libertés. Puis quand on commence à prendre des mobilisations d'hommes pour aller intimider d'autres travailleurs, mais on parle que c'est illégal, puis ça vient brimer notre charte des droits et libertés à nous-mêmes. À quoi s'exposent-ils ces travailleurs qui vont vider les chantiers, selon vous?
tous les gens qui ont dans cette vidéo-là, la CCQ peuvent leur donner une amende entre 1 000 à 10 000 $ par personne. Aussi, c'est criminel. On a déjà des noms déjà d'entamés à propos de tout ça. Le véhicule a été endommagé. Les tailleurs ont été crevés. Les tailleurs sont à remplacer. Il y a aussi une lumière de brisée en avant. Il faut comprendre une chose. On va donner un exemple. Mettons là que les policiers font la grève, ils ont des collants aussi sur leur char. As-tu vu un policier aller mettre les collants sur les chars de personnes qui arrêtent? Non. Juste mettre un collant sur le truck qu'il y a là, moi je trouve que c'est un méfait et du vandalisme. Juste aller coller un collant sur un véhicule qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas. Joe Clay, on comprend que c'est votre nom de blogueur, bien connu dans le milieu de la construction. Vous êtes également menuisier. Merci beaucoup de vous avoir parlé ce matin. C'est quelqu'un qui vous a fait parvenir cette vidéo que vous avez par la suite publiée sur votre page Facebook. Merci et au plaisir. Bonjour. Nous aurons des réactions.